Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo parce que sachant que j'ai acheté la Cuttlebug il n'y a pas si longtemps, ben il me fallait un petit peu, on va dire, des produits pour que je puisse un petit peu m'amuser parce que sinon ça sert à quoi d'acheter une machine si on n'a pas un petit peu de matériel. Donc je pense que comme vous aurez deviné, on va dire un petit peu dans le titre que je vais mettre, donc en pas encore des achats, et ben si, voilà. Donc je me suis pris, donc hier je suis allée dans ma petite boutique, donc à Luxeuil, voilà, je voulais voir ce qu'elle avait. Honnêtement, c'est mortel. Donc pour ceux qui ne savent pas, bon, c'est Regalerie qui est donc en face du parking du laboratoire, j'appelle ça un petit peu du laboratoire. Voilà, elle fait honnêtement des merveilles en vente. Bon, je vous avoue que c'est un peu cher parce que bon, en farfouillant sur le net, bon, j'avais un petit peu trouvé un produit moins cher, mais je me dis que là c'est près de chez moi, enfin près de chez moi, ça va, j'ai envie de dire. Que honnêtement, si c'est pour attendre une semaine d'acheter sur le net, bon, pas trop cool. Donc là, je me suis dit, allez, vas-y, fonce, tu verras. Et puis, voilà, bon, je me suis pété la carte bleue, mais c'est pour moi. Et puis, honnêtement, je vais faire de belles petites créations avec ce que j'ai pris. J'en ai pas pris beaucoup, hein. Je vais vous dire, voilà, j'ai pris 3 articles, ça m'a déjà bien suffi. Ça aurait été moins cher, j'aurais pris beaucoup plus que ça, mais je me suis dit t'en as déjà assez, c'est bon. Donc je me suis pris donc ces dies de coupe, donc je me suis bien servi, hein, depuis hier, voilà. Donc je vais vous donner la référence, pardon, si ça vous intéresse, et puis je vais vous donner le prix en même temps. Donc la référence, je suppose que c'est 525-6106. Si vous êtes intéressé par ce produit, honnêtement, il n'est pas à vendre, hein. Pas du tout, hein. Mais si vous en cherchez un, bon, vous pouvez toujours passer par moi. Il est au prix de 13,15 €. Donc je vous montre un petit peu, bon, le prix et je suppose la référence. Sinon vous me dites, voilà, c'est un carré. Voilà, il découpe super bien. Voilà, je me suis pris donc un pinceau comme une scrapeuse qui fait du scrap. Voilà, donc je me suis pris un petit pinceau éventail. Bon, celui-là a coûté 11,10 €. Ah bah, avec les reflets, c'est pas très top. Si je me rapproche, non, c'est encore moins bien. Voilà, enfin 11,10 €. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est un pinceau éventail qui va pouvoir me faire des gouttelettes. Et je suis très très contente. Voilà. Et donc le dernier article que j'ai aussi bien utilisé et que je continue. Donc j'ai pris donc ce. Donc je vais carrément. Ouais, non, je vous montrais déjà la référence. Enfin, c'est un. Donc c'est celui-ci que je me suis ben, forcément servi hier. Donc c'est un donc c'est toujours le gabarit des coupes, c'est celui de rectangle, je donne la référence. C'est donc le 60-254-000. Voilà. Bon, il m'a coûté relativement cher. Mais je me dis que c'est du neuf, que avec de l'occasion, ça serait peut-être pas forcément pareil. Parce que honnêtement, avec de l'occasion, ça peut ne pas forcément bien découper. Alors que là, là, je suis super contente. Et là, je sais que là, ça découpe, hein. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, elle a été très courte. Mais honnêtement, voilà, je vous mets un petit peu ce que je ressens, un petit peu ce que j'ai. Voilà, j'espère que ma chaîne vous plaît. J'espère que. Voilà, que mes achats vous plaisent aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous des vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.